Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de GCN en français. Aujourd'hui, on va tenter de décortiquer les raisons du succès d'une technologie qui a révolutionné notre façon de pratiquer le cyclisme. Je veux bien entendu parler de la transmission électronique et en particulier le système inventé en 2009 par Shimano, le DI2. Pourquoi celui-ci nous a convaincus si facilement, nous cyclistes qui en général sont plutôt réfractaires à l'innovation, et pourquoi en particulier il est devenu la transmission, le système électronique préféré des professionnels? C'est la question à laquelle on va tenter de répondre dans cette vidéo. C'est parti! Avant toute chose, on le sait tous, le cyclisme est un sport plutôt conservateur. Il suffit que je vous donne l'exemple de l'apparition des freins à disque sur route pour que vous voyez un petit peu le genre de débat que l'on peut déclencher et le scepticisme autour d'une nouvelle technologie. On avouera, on est fait comme ça, on est plutôt des sceptiques. Et pourtant, c'est une des raisons pour laquelle j'ai voulu m'intéresser au phénomène DI2. Il fait plutôt exception à la règle. Certes, ce n'est plus une technologie nouvelle, on l'a dit, depuis 2009. Et la première victoire d'ailleurs d'un Français sur cette technologie, c'était Jérémy Roy sur le Dauphiné. Le DI2 a bien fait du chemin jusqu'à atteindre aujourd'hui 13 équipes du World Tour équipées, donc plus de la moitié, World Tour masculin, et 4 du World Tour féminin, mais aussi la présence de cette transmission en cyclocross dans les sous-bois par les meilleurs crossman du plateau tous les hivers depuis plusieurs années. Ce qui tend à démontrer une large démocratisation, mais aussi une fiabilité démontrée. Alors pourquoi, au démarrage, on aurait pu ne pas vouloir utiliser le DI2 et cela aurait pu être un flop commercial total? Eh bien, je pense parce que légitimement, on pouvait se poser des questions quant à sa fiabilité, notamment liée à la première chose, la fameuse batterie. Question numéro 1 que l'on s'est tous posé, il va falloir le recharger. À quelle fréquence vais-je tomber en panne en cours de sortie, etc. Eh bien, je pense que c'est un premier élément de réponse quand à la large démocratisation du DI2 et surtout sa prise de pouvoir chez les professionnels, clairement un des points forts a été l'autonomie de sa batterie. Si Shimano nous annonce au départ une autonomie de 1500 km, je peux vous dire par expérience, depuis 3 ans que j'utilise ce système, c'est largement plus. Évidemment, lorsqu'on est coureur, on a quand même tendance par superstition à le recharger la veille d'une compétition. Mais clairement, si on entretient bien sa batterie, la stocke dans un endroit sec, évitant les fortes chaleurs ou au contraire le froid, il y a de grandes chances que non seulement elle dure longtemps, mais qu'en plus elle vous apporte une autonomie suffisamment longue pour au contraire parfois oublier de le recharger après un certain temps. Donc pour moi, c'est clairement l'élément clé qui a été levé dans les freins qu'on aurait pu avoir à l'usage de cette technologie. La deuxième, évidemment, question que l'on se posait, c'est quid sous la pluie, il s'agit d'un système électronique. Mon bon vieux câble, lui, je sais que même s'il grippe un peu, il va marcher. Est-ce que là, ça va passer? Eh bien, la réponse, je pense que là aussi, elle a été donnée, notamment grâce au crossman qui l'utilise dans des conditions extrêmes tous les hivers, mais aussi aux coureurs du World Tour qui, lors des étapes, notamment du Giro, du Tour et de la Vuelta, sous de longues heures sous la pluie, ont pu tester cette technologie dans des conditions extrêmes. Oui, cela fonctionne, et oui, cela est étanche. Troisième question que l'on pouvait se poser, c'était le risque de panne accru par une technologie électronique face à un câble mécanique dont on connaissait tous les tenants et les aboutissants et dont on savait que la fiabilité n'était plus à démontrer. Et bien là aussi, je pense que le DI2 a apporté un gage de sécurité en démontrant qu'il n'y avait pas de panne liée à l'électronique. Si ce n'est, je partage mon expérience personnelle, la seule chose qui m'est arrivée, c'est la déconnexion d'un câble, encore que je dois mettre un bémol, c'était lors d'un transport à la sortie de l'avion, donc pas en roulant, pas en compétition, et on ne peut pas considérer que ce soit une panne là aussi, puisqu'il suffisait de vérifier et de reconnecter le câble au niveau du connecteur, mais pas plus de panne que ça, en tout cas pas par rapport à ce à quoi on aurait pu s'attendre. Évidemment, vous allez me dire, une fois tous ces freins levés, ça ne faisait pas pour autant du DI2 un produit plus intéressant à utiliser que notre bon vieux dérailleur à câble. Alors, pour qu'il se démocratise autant, il fallait bien qu'il nous apporte des bénéfices. Voici les raisons que moi j'ai listées qui font aujourd'hui, pour moi, du DI2 un meilleur produit que le dérailleur à câble. Eh bien, quel bénéfice en premier? C'est très subjectif, mais pour moi, c'est la sensation unique au passage de vitesse.
C'est vrai que lorsqu'on a un câble, en fonction de son âge, son état et surtout de l'état de vos doigts, par exemple en hiver lorsqu'ils sont congelés, il est plus ou moins facile d'aller au bout du geste et de passer vos vitesses. Ça peut être plus ou moins difficile en fonction de toutes ces variables. Le DI2, l'avantage, c'est électronique. La pression sera toujours la même, qu'il fasse chaud, froid, en hiver, en été, vous passerez toujours les vitesses de la même façon. Et pour moi, ça, c'est un vrai plus, quelle que soit la saison. La deuxième raison, j'en ai un peu parlé dans les freins potentiels, c'est la fiabilité. Pour moi, quel que soit le temps, face à un câble qui peut s'oxyder, le DI2 reste identique et fonctionne à la perfection. Je dois dire que j'ai été très agréablement surpris parce que pour moi, c'était le point interrogatif le plus important et je vais commencer à me poser la question lorsque j'ai vu les professionnels l'utiliser en me disant si eux le font. Sachant à quel point ils peuvent être exigeants, ça veut dire que le produit est plutôt réussi. Et clairement, la fiabilité n'est plus à démontrer. Le DI2, ça marche. Et ça marche même mieux pour moi qu'un dérailleur à câble qui peut, je rappelle, s'oxyder, se gripper. Évidemment, comme tout, il faut l'entretenir. Eh bien, j'en viens au troisième point. Pour moi, l'entretien du DI2, eh bien, c'est un gros point positif. Parce que plus de câble à changer, à part la batterie qui reste inconsommable, mais je vous le dis, ça fait 3 ans, je ne l'ai jamais changé. Clairement, il y a très peu d'entretien, à part la recharge, à ne pas oublier de temps en temps. Enfin, le gros point positif qui fait pour moi de ce produit le meilleur sur le marché, c'est l'auto-ajustement permanent du dérailleur qui est inclus dans le système. Plusieurs fonctionnalités sont liées au DI2 en particulier. Vous avez notamment en cas de chute, l'auto-débrayage du dérailleur qui permet notamment de protéger le mouvement du parallélogramme et il suffit pour ça de remettre un petit coup sur la gâchette pour qu'il se réembraye. Ça, c'est une technologie que j'ai pu expérimenter, même si la première fois, je me suis demandé ce qui s'était passé et clairement, ça peut vous éviter de devoir changer un dérailleur et c'est un gros plus pour moi. Au quotidien, j'espère pour vous que vous n'aurez pas à l'expérimenter, mais il y a des choses que vous aurez forcément remarquées si vous utilisez cette technologie. C'est par exemple l'impossibilité de passer les deux dernières dents de votre cassette si vous êtes sur le petit plateau. Oui, le DI2, comme un professeur de cyclisme, vous empêche de faire le croisement de chaîne qui va entraîner une dégradation prématurée de celle-ci. Et en ce sens, vous permet de limiter celui-ci en vous interdisant tout simplement de la croiser à l'extrême en utilisant les deux derniers pignons de votre cassette lorsque vous êtes sur le petit plateau. Mais évidemment, ça ne s'arrête pas là et je pense que ce que nous, cyclistes, on expérimente au quotidien et qui est la vraie plus-value, c'est l'auto-ajustement du dérailleur avant, la fourchette qui se décale légèrement pour ne jamais frotter à la chaîne. Le petit craquement, le petit grattage que l'on a tous expérimenté sur du mécanique, depuis que je suis passé sur du DI2, c'est terminé. Et connaissant le monde professionnel, là aussi, je pense que c'est l'une des raisons clés de la prise de pouvoir de cette technologie chez les pros. Enfin, on pourra ajouter quelques points pour les geeks du DI2 qui sont intéressants, c'est notamment l'utilisation de l'application eTube, qui vous permet soit sur smartphone, soit sur ordinateur, de gérer votre système DI2 et de le personnaliser à foison. Vous avez notamment la possibilité de mettre en place les fameux systèmes automatiques ou semi-automatiques, appelés par Shimano Synchronized Shift ou Semi-Synchronized Shift, qui veulent dire tout simplement, en full automatique, vous allez pouvoir gérer vos vitesses avec une seule manette, ce qui peut être très pratique pour certains. Et ensuite, eh bien, le système DI2 va gérer pour vous le croisement, le changement de vitesse en fonction de votre besoin. En semi-automatique, eh bien, là, le DI2 ne gère que le passage des plateaux, c'est-à-dire que lorsque vous croisez trop votre chaîne, eh bien, votre plateau va automatiquement monter ou descendre tout en réajustant derrière les pignons afin de garder un même niveau de développement. Voilà. C'est pas l'objet de cette vidéo, donc si vous souhaitez un tuto spécifique sur comment mettre en place ces deux systèmes, n'hésitez pas, comme d'habitude, en commentaire à nous le dire et on fera ça avec plaisir avec Loïc. Donc, je vais revenir à la question de cette vidéo. Pourquoi, outre toutes les autres marques qui proposent de l'électronique aujourd'hui, Shimano, avec le DI2, a tant pris le pouvoir au sein des équipes professionnelles?
Est-ce que c'est une raison purement commerciale? Est-ce que c'est une vraie raison de fiabilité et de performance face à la concurrence? Je pense avoir déjà donné un élément de réponse à travers tous les points qu'on a évoqués ensemble, mais je vais vous dire aujourd'hui quelques points qui me semblent être spécifiques au monde professionnel et qui pourraient répondre à cette question. La première, c'est un détail pour peut-être pour vous, mais pas pour eux, c'est les sprint shifters. Ces fameux changements de vitesse qui sont au creux du cintre la plupart du temps chez les professionnels, mais qui peuvent aussi être utilisés par les classic men, notamment sur les classiques pavés, en dessous de la barre horizontale du cintre. Pour moi, c'est clairement un gros avantage du système DI2. Ça rend ce système très versatile et ça donne un avantage certain, notamment aux sprinteurs, lorsqu'ils ont les mains au creux du cintre. Un autre intérêt majeur qui aurait pu être un frein au lancement, c'est le poids. Aujourd'hui, la technologie du DI2 arrive à être quasiment au même poids que celle câblée, puisque pour un groupe notamment du Race DI2 face à un groupe câblé, je crois qu'il y a à peu près une centaine de grammes d'écart, ce qui est tout à fait infinitésimal aujourd'hui, et on sait à quel point un cycliste n'aime pas avoir un vélo lourd. Le troisième, enfin, c'est la multiple possibilité de choix de braquet. Et ça, on sait tous que c'est hyper important, que l'on soit pratiquant ou professionnel. Et là aussi, le DI2 offre une versatilité qui est unique et permet des combinaisons extrêmes. Enfin, ça reste un critère un peu plus personnel. L'ergonomie des cocottes, moi, me semble particulièrement réussie. Et le design également, qui est moderne et pratique à la fois. Mais sur ce point-là, je vous laisserai débattre en commentaire, on ne sera peut-être pas tous d'accord. En clair, la réussite de ce produit, en particulier chez les professionnels, pour moi, elle se résume en deux mots. C'est versatilité et fiabilité, au-delà des bénéfices qu'on a tous évoqués, sans lesquels ils n'auraient jamais voulu l'essayer. Et vous allez pouvoir me répondre en revanche en critique. Oui, mais ça reste du haut de gamme, du premium, pour de la route. Eh bien, bonne nouvelle, aujourd'hui Shimano développe de plus en plus ce système, à la fois en VTT à assistance électrique et sur des vélos de ville. Alors, il y a fort à parier que ce sera la technologie de tous d'ici à quelques années, voire même dès demain. Voilà, vous l'aurez compris, je suis largement convaincu par le DI2, sinon je vous en parlerai pas en ces termes. Et en conclusion, dites-nous comme toujours en commentaire si vous avez fait le pas de l'électronique et en particulier si vous avez déjà eu l'occasion de tester un groupe DI2, ce que vous en pensez, est-ce que vous avez été agréablement surpris ou au contraire déçu de ce type de produit. On se retrouve très bientôt pour plus de contenu sur JCN en français. En attendant, restez connectés. À bientôt.